Pablié non, Léon Charles, monsieur décidé écrit avec ministre affaires étrangères haïtien qui c'est Jean-Victor Généris pour dire que li après mettre démission. Bon, li remettre démission, vous me dites bien. Puisque non cité dans dossier assassinat président Jovenel Moïse non. Et dans ordonnance que juge Walter Russell Voltaire lui-même ni rend non, qui gagne 122 pages là-dedans, li clairement voyé Léon Charles, Martine Moïse, Claude Joseph, Jean-Ter Joseph, Adrien Zéphirin, Gonzague Deye, et puis on ensemble de l'autre monde encore, à le juger de votre tribunal criminel pour question implication dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Non. Nous prenons le garder ça, nous prenons continuer à garder ça. Moi, j'ai pris les amis qui ont réagi le fait que, moi, avec des Ivenes, dit clairement que Martine sont éléments importants dans le dossier. Mais c'est clair, mais vous comprenez ça. Nous pas dit que Martine n'a impliqué dans tuer Maril, non, non. Mais comprendre que, normalement, on dit que si une action déroule un côté, et puis, ou t'es témoin ou t'es là, c'est certain que bagarre capable de dire. C'est la nouille, oui. Au contraire, c'est Martine qui a permis que de sa Bible avance, oui. Parce que quelque part, il était témoin. Et sur certain, il peut-être étendait sa table d'io. Et peut-être, il était doit ouais, mon qui était entre comme c'est vrai, mon qui était entre quelqu'un doit mettre cagoule, mais quand même, il est capable de dire. Et moi, je t'ai dit, on va gagner une émission avant. Et je me suis fait ailleurs. Moi, je t'ai dit que. A fait cette histoire comme si dans l'ordonnance, Lionel Valmouin, t'as fait connaître que Martine Devine en bas dans le palais national, 2 jours avant, t'es venu débarrasser qu'elle préside le palais national, 2 jours après, littérer l'île. Moi-même, jusqu'à présent, moi estime, que ça y'a pas campé sur rien. Parce que, surtout après 2 jours après l'assassinat président. Parce que, au monde qui sous choc, au monde qui victime de assassinat Maril, et le témoin t'a gardé comment que t'a tué Maril, m'a quoi 2 jours après, que moun sa t'a gagné dans la normalité, pour comme si l'ita gagné t'a fait appel. Ça vrai, moi doute très fort. Moi doute très fort, zami éternel, moi yo. Moi doute très fort parce que, moun dans la situation de choc, pour 2 jours après, pour serrer l'étarrer les moun, pour venir dire débarrasser de l'espace, bah, t'es moun de l'espace. Ça veut dire, m'a fait avocat du diable. Et m'a quoi m'a mettre travail juge là en question. Bien que qu'on zami qui écrit, tous amis ont dit, ben les actes désirs, et nous pas qu'à mettre travail juge là, et en doute, jusqu'à présent, moi a désir pas jamais fait ça. Moi a désir venez pas jamais fait ça. Mais ça que fait jeudi, hein, nous qu'à questionner ordonnance juge là, hein, et moi, c'est en plus l'autre confrère qu'on soit fait même travail ça. C'est parce que nous connaissons qui niveau faiblesse qui gagne dans la justice haïtienne, non? Ok? Nous connaissons qui niveau faiblesse qui gagne. Parce que le fait que montre que juge Walter et Voltaire, c'est comme si les gagne de rapport, les gagne de connivence avec un acteur coup Ariel, les gagne de connivence avec un monteur coup Paul Denis, les gagne de. Ça veut dire, c'est là nous-mêmes nous questionner ça. C'est acteur qui parle, yo, qui lui-même montre que doute qu'il y a de ordonnance, qui fait nous-mêmes comme journalistes, comme directeurs d'opinion, nous fait de analyse sur ça ou tout. Est-ce que juge Walter et Voltaire, tout? Parmi ces 15 juges corrompus, que le président Jovenel Moïse t'a dit qu'il t'a fait le nommer, est-ce que juge Walter et Voltaire va la donner? On a questionné ça. C'est ça, on a questionné. Et c'est la nouée. Et n'a questionné tout. Comment fait que, gué de moun que juge l'entendait, là que nous faisons des ordonnances là, l'endan de moun sa ou des formations au bail, qui ça qui explique que, et seulement ma kike sa karité dans le dossier? Hein? Bon, l'em dit ma kike sa, c'est vous qu'on Colombien yo, c'est vous qu'on de l'autre moun, mais pour qui ça fait que de l'autre moun, qui jusqu'à présent, qui libère en Haïti, qui a marché, nous pas dit pour moun sa arrêté, c'est pas nous juge là. Mais qu'on a si autant d'informations, autant de données dans mes juges là, yo capable il? Et moi c'est que dossier hein, li pas arrêté là. Dossier pas campé là. Dossier avancé. Il a vraiment avancé. Et nous plus senti que la justice américaine plus en vivancé que la justice haïtienne. Des événements comme on a Ephraim.
Ben, situation, nous en forme, nous là, donc Capetian, notre bataille, Yeah. nous continuer à chercher information, venir analyser, sujet qui peut paraître clair, devant monde qui a regardé, qui a attendu. D'ailleurs, c'est ça qui nous dit, tout ça que vous manquez comprendre, nous-mêmes, nous décortiquer, nous analyser, qui permet de comprendre, puis bien, ça qui vient dans l'actualité. Songez, à chaque émission que nous faisons ici, ils sont classiques. C'est une université, ils sont l'école qui a aidé les gens à apprendre ça qui gagne en Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Ce n'est pas le moment que les gens doivent faire question fanatisme du passé. Pas un problème, au cas fanatique si Jean, au cas fanatique si Jacques. Mais nous, ce n'est pas ça que nous venons faire là. Nous venons apprendre, nous comprendre ce qui a passé sur la scène politique. Là. Les gens qui ont toujours compris, analyse ou bien questionnement nous, dans la dimension, dans la façon. Yeah. Quel problème? En première période, vous avez remis Yeah. façon qu'on a abordé la question Martine Moïse, vous avez remis façon qu'on a abordé la question Guy Philippe là. Mais je dis, il est important, chaque fois que les données ont changé, nous-mêmes, comme analystes, comme leaders d'opinion, comme journalistes, et il n'est pas facile pour tout le temps Yeah. pour d'accord pour marcher dans la même logique avec nous. Nous-mêmes, c'est décortiquer, c'est Yeah. analyser, qu'on a analysé. Premier masque qui est venu là, ancien président de l'Assemblée nationale là, T'as nous les avons fait. désirs, t'as les désirs, que je vous dis. En passant, m'a invité avec Mna Bato Junior. Et Bato Junior, vous me souligner, où est-ce que vous bien? T'as les Bato Junior. Bon, regardez si Bato Junior avec moi. Et bon, regardez ça, t'as les désirs, je vous le dis, hein? Je vous le dis, en désir venesse. Et Bato, est-ce que vous avez Bato? Désolé, je vois Bato. Non, pas Ok, entendu, pas. Bato, bon, le bagay Bato. Bon, pour le bagage, et pour garder Sim Jeune Bateau là, bon, garder Talet, bon, garder Sim Jeune Bateau, parce que Désir, en attendant que vous venez avec information ça. Et Bateau, où là, vous avez Bateau, t'en Bravo, bravo, moi je reçois Bateau. 5 sur 5. Ok, Désir, vous recevez Bateau? Très bien, Ok, monsieur va battre normal. Bateau, vous mettez souligné pour moi. Comme vous êtes en la fonte, si vous pas dans une minute, tout simplement parce que Désir, pour information là-bas, et puis après ça, m'a tout en travaux. Mettez là-bas tout. Attendez? Pas de problème, non? En avance, Désir. Très bien. Ancien et président de l'Assemblée nationale, Joseph Lambert, et Joe Lambert, animal politique, a gagné pour paraître devant la justice. C'est juge Jean-Marie Bilabre, toujours un cadre dossier, une quête que l'ILCC était fait, sur l'ensemble des biens l'État qui était disparaître, soit à travers CNE ou bien à travers le Parlement haïtien. Mais dans le cas, ancien et président de l'Assemblée nationale, là, Joseph Lambert, c'est en affaire de quatre véhicules qui ont fait quoi qui ont fait, et bien, il va gagner pour répondre à une question autorisée. Bateau. Oui, m'attendez. Et quand tu as la goût, quand tu as vu, je ne sais pas si on insiste, quand tu as mis un bon bruit, quand tu as un bon bruit. Faut agir, bruit à mon bruit, vraiment dérangeant. Oui, là, moi, à l'intérieur, là. Ok, là, en forme, là. Là, m'attendez des bruits, là, en forme. D'accord. Ok, là, c'est un désir, après, ça me capte, Bateau. Très bien. T'as vu, j'en ai regardé, et l'actualité a été dominée par ordonnance qui est juge, là. Et qui t'a inscrit dossier, assassinat ancien président républicain Jovenel Moïse. Vous avez parlé des juges Walter Richard Voltaire quelques jours avant et fin mandat, normalement, remettre ordonnance là et qui pratiquement a joué et pas qu'elle pour 15 pendant journée et qui était 21 février 2024. Là, on va regarder, surtout avec invité que nous gagnons, on va regarder divers autres points à clé et pour fixer position, pour dire comment qu'ils comprennent ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Je ne veux dire l'explication. Et bientôt, Junior, comment est-ce que vous faites la forme? Mon cher, moi, très bien, grâce à Dieu. Je salue au Blaise, je salue tout auditeur, auditrice, captant des émissions. Hein. Et moi-même, son plaisir à chaque fois que je suis invité dans le cadre d'émission, je salue tout haïtien, haïtienne qui vivent au niveau du 11e département également. Ok, Bateau. Tout comme. Oui, tout comme je salue à l'intérieur du pays d'Haïti, tout militant, militante, en cap goumen pour que nous arrivions créer une autre situation, une situation de bien-être pour les peuples haïtiens, hein, qui depuis, on est capable de dire plusieurs années, que les politiciens renégats, ravi bien-être ça dans mes peuples haïtiens, hein, et nous capable de dire, dans le dernier moment, ça c'est pire.
avec, on capable dit arrivée de Ariel Henry et toute équipe li qui est formé gouvernement capable dit apatride, gouvernement congé, gouvernement illégal, gouvernement illégitime qui a accaparé, on capable dit pays a depuis environ plus de 32 mois. Donc c'est comme ça que moi-même Bato Junior qui c'est président grand rassemblement des Haïtiens nationalistes pour le travail qui à l'intérieur de FND Force nationale pour la démocratie qui constituait la coalition nationale des forces progressistes pour le moment. Oui, et d'accord, sans problème. Bato, nous pourrions regarder ça ensemble avec vous, puisque j'en tiens, ou déjà commencé avec le dossier Ariel Henry, pardon. Et nous pourrions regarder ça ensemble avec vous. Comment vous-même, et comme dit je de parti politique, ou comprendre que 31 mois, mais 30 mois Ariel Henry. Est-ce que vous avez un bilan ou avec 30 mois, mais 31 mois Ariel Henry? Qu'est-ce que ça bilan est pour nous-mêmes? Bon, très bien. Qui l'a parlé de bilan? Ou parler de bilan, c'est. Et chaque fois que yon moun li te gen ou responsabilité li pa rive accompli responsabilité a m capable di à 100% ou bien li accompli à 100%. OK, lè sa ou capable fon bilan ou capable di soit li gen 5 sur 10 ou bien li gen 9 sur 10 ou bien li gen 8 sur 10. Mais dans le cas de Ariel Henry, pa gen bilan parce que Ariel Henry avec toute équipe li prend pays en otage depuis environ plus de 31 mois, li pral sous 32 mois là, eh bien nous capable dit nous pas capable parler de bilan de Ariel Henry parce que dans cadre Ariel Henry te prend pouvoir là, Ariel Henry te gagné entre 90 jours et pour pipiti et 120 jours pour plus pour te organiser élection pour que te gagne autorité légitime quitter prendre le pays. Malheureusement, c'est pas ça le fait. Il arrivé signé au premier accord en septembre 2021 qui est l'accord 11 septembre. Eh bien, il fait environ capable dit un an, trois mois, il pas respecté accord ça. Eh bien, le 21 décembre 2022, il signe au deuxième accord avec presque les mêmes acolytes, 600 000. Eh bien, encore, li pas honoré à cause ça. Seul bagay nous capable de dire qui te gagne à cause ça, c'était mettre campéon HCT, li seulement formé HCT. Depuis l'elle formé HCT, li te gagne pour l'organiser conseil électoral, li te gagne pour créer un climat d'apaisement, li te gagne pour te garantir sécurité dans le pays. Ariel pas fait rien. Au contraire, Ariel augmente la misère peuple là. Parce que les Ariel te prend pouvoir capable dit après assassinat crapuleux ancien président Jovenel Moïse capable dit les ça on ti boîte lettre dans pays a te vend moins sans que 40 goud jodi a là on boîte lettre dans pays d'Haïti li vend jusqu'à 75 goud on ti goud de durie les Ariel te prend pouvoir là. Et ti gode diri a te vend 25 goud. Jodi a la pou moun achete un ti gode diri ou presque nan sou genye 75 goud nan moun ou pa kache ton ti gode diri. Donc cela veut dire Ariel li multiplie misère peuple par 3. Et si nous prenons encore question essence gaz là, les Ariel te prend pouvoir et galon gaz a te vend environ 240 goud. Et bien jounen jodi a la galon gaz là, li vann presque 600 goud. 600 goud. Donc, c'est pour montrer que Ariel Henry, ça le fait lui-même. Nous capable de dire, c'est misère que le crée dans le pays, il crée plus en insécurité, parce que les Ariel te prend pouvoir. C'est seulement Matisse qui a un problème, oui. Moun te kan passe au niveau canard sans difficulté. Au niveau quoi des bouquets, c'est peut-être monsieur 400 Maozo, mais te gen circulation au niveau de quoi des bouquets. Eh bien, du moment que Ariel prend pouvoir, Ariel li multiplie gang à travers tout territoire pays a, Canaran jounen jodi a la, moun pa ka passe pour descendre dans le nord et kwa de bouke moun pa ka passe encore pour Almir Balè, nous saute gon gram qui saute rivé là au niveau de Mont Cabrit côté que
et monsieur Kassan Marousseau yo yo arrivé criblé près d'une dizaine de personnes côté que même chauffeur mouri une passe et majorité monde qui était dans tibus ça et perdu la vie. Et bien ou pas même temps le gouvernement sorti pour que lui-même lui déplorer situation ça et qui rivé à tandis que nous songer t'es gagné et building qui effondré à Cuba côté t'es gagné deux ou trois monde qui t'es victime. Et bien monsieur t'es soit voyé sympathie bye capable dire gouvernement cubain. Nous songer en 2022 t'es gagné un ancien premier ministre japonais qui t'es mouri monsieur voyé sympathie bye premier ministre japonais. Donc c'est une façon pour nous dire de manière ironique que Ariel Henry pas représenté peuple haïtien. Ouais, peuple haïtien qui a mouru plusieurs côtés, Canarin, Carrefourfeuille, Mariani, par dizaines. Et Ariel pas qui a de qui sur ça. Nous capables de dire pour l'année 2023, c'est près de 5000 mounes d'après rapport Binu Bay qui perdu la vie. Oui, rapport Binu. Donc ça veut dire que rapport officiel Nations Unies. Donc, mais qu'il y a plus que 5000 mounes ça, qui mouille. Yo bay 5000, mais qu'il y a plus que 5000 mounes. Dans mounes qui perdu la vie, yo, que yo pas connaît, mounes qui pas gen nou, etc. Nous gen plus passé 7000 mounes qui perdu la vie l'année 2023, mais yo même, yo bay un rapport 5000. Donc, c'est déjà, nous capable dire, c'est une catastrophe, qui tabli, et sous tête pays. Donc, si, n'a pas parlé de Ariel Henry, nous pas qu'à parler de bilan, ok? Son bagage catastrophique tout bonnement et nous croyons que Ariel Henry journée à là il représentait un terroriste. Il représentait un terroriste. Hein, tout le monde connaît que qui s'est passé 7 février 2024 là côté que monsieur monte en complot, monsieur assassiné plusieurs agents BSAP côté que monsieur Sao pas dans affrontement avec la police donc yo rangé en embuscade yo assassiné deux monde qui t'a servi pays là deux monde qui était dans au corps qui était formé par l'État donc nous dit mettez sous toute action ça yo nous considérer Ariel Henry comme un terroriste à la tête de l'État pays d'Haïti et tout gouvernement Ariel Henry c'est des terroristes qui dans gouvernement ça donc c'est pour ça nous dit tenu compte de rôle monsieur Saroujoué, nous dit pas de négociation avec des terroristes. On ne peut pas négocier avec des terroristes. Nous dit monsieur Sayo, il doit laisser le pouvoir pour que gagne l'autre équipe qui prend RNPIA pour nous sortir dans situation catastrophique nous jeunes aujourd'hui là. On avance des Ivernes. Des Ivernes avec tout et puis bah, c'est des Ivernes à avancer avec question. On avance des Ivernes. Salut désir, son plaisir. OK. Très bien Bartou, très bien. Nous comptons avec vous l'autre fois. Et après ça, ensemble de râler ou bien mise en train que vous faites là yo, vous montrez que gouvernement Ariel Henry comme un gouvernement de facto qui par des pièces volonté après ensemble accord qui est signé qu'elle pas respecté. Je dis à dans qui catégorie que ouais Ariel Henry comme ancienne autorité ou bien comme actuelle autorité. Ariel Henry de fait lila mais Ariel Henry n'a ni qualité ni titre. OK. De fait Ariel Henry c'est un accapareur. Il a ni qualité ni titre. C'est ça qui fait que je pense que il y a plusieurs organisations qui saisissent déjà non seulement ULCC sur le plan pénal mais sur le plan administratif qui écrit la Cour supérieure des comptes pour dire la Cour supérieure des comptes que Ariel Henry pas qu'à engager l'État après 7 février sur le plan financier. Toute action Ariel posée après 7 février 2024 là, il y a nul et non avenu. Ariel a gagné tôt ou tard pour le répondre devant la justice pour toute action qu'il commet et n'a pas reconnaître ça, ce sont des crimes financiers. Parce que Ariel pas gagné aucune qualité ni titre pour engager l'État d'Haïti après 7 février 2024 là. Parce que c'est pas nous-mêmes qui dit, nous pas demander à Ariel publier accord dans moniteur, c'est Ariel qui prend accord, lui publier dans moniteur pour prendre engagement pour le 17 février 2024 là pour remettre pouvoir. Donc si Ariel là on dit que pas gagné aucun monde en Haïti qui reconnaît Ariel, c'est seulement les États-Unis qui lui-même qui représentait Jodia là nous dit
yon pi gros danger pour le monde, yon danger pour la stabilité du monde, yon danger pour la démocratie mondiale, parce que il n'est pas possible pour que après 7 février, pour que les États-Unis invitent des autorités illégitimes, des autorités illégaux au niveau de Washington pour faire réunion avec eux sur la question de sécurité. Donc cela veut dire que les États-Unis aujourd'hui est un danger pour Haïti, est un danger pour la démocratie dans la région. Les États-Unis, particulièrement le gouvernement Biden est un danger pour la sécurité mondiale, parce que façon que le gouvernement Biden l'a mené, on capable de dire bac le monde, l'a regardé ça Israël a fait au niveau de Hamas, où Biden a supporté le premier ministre israélite. Hein, pour ça que qu'a passé là, donc nous dit le gouvernement Biden est un danger pour la sécurité du monde. Le gouvernement Biden est un danger pour la démocratie mondiale, parce que si n'a pas de la caillou, s'il y a pour reprocher Trump qui était arrivé à un certain moment souillé, on capable dit Capitole là, souillé le Congrès américain. Jusqu'à présent Trump dans le collimateur de la justice. Eh bien, comment vous comprenez que Biden lui-même n'est pas respecté institution de l'autre pays, n'est pas respecté ça aurait les institutions qui gagnent en Haïti, n'est pas respecté loi qui gagne en Haïti, ok, l'a violé comme si que l'autre côté n'a pas existé, c'est comme si c'est États-Unis qui existait simplement. Non, nous dit ce n'est pas possible, c'est comme si il y a deux mondes, il y a le monde des Américains et il y a l'autre monde. L'autre monde n'intéresse pas les États-Unis. OK, monde qui est intéressé, c'est la taille simplement. Donc nous dit c'est grave. Et je dis à là ça que nous-mêmes en Haïti à vivre avec le comportement des États-Unis vis-à-vis des Haïtiens. Très bien. 7 février 2024, Ariel Henry t'a doué quitter le pouvoir, selon ça, il a signé un accord et qui allait directement dans l'article 21 de l'accord de 21 décembre. Et Ariel Henry pas décidé d'aller, il a adressé avec la population. Après, Ariel Henry faut quitter le pouvoir. Bon, mon cher Femme, je vous ça très bien. Oui, il y a, capable de dire, des propositions. Et je crois que actuellement proposition qu'a fait Chemel, je suis capable de dire à travers le congrès Wanamet organisé par, sous l'initiative d'une organisation appelée L'Amour pour Haïti, MLA. Donc, il y a un pile d'autres organisations en Haïti qui ont emboîté le pas. Okay. Et bien, organisation haïtienne qui a vécu dans la diaspora. Oui, haïtien qui vivent dans la diaspora, eh bien, avec l'initiative organisation, ça nous a organisé le congrès Wanamet, et il était clair que les congressistes qui ont participé dans le congrès, ça à travers les 10 départements, ils étaient sortis avec une résolution, et dans la résolution, il est clair que nous allons vers un exécutif bicéphale, côté que on va devoir choisir un juge à la Cour de cassation parmi les juges régulièrement nommés et un premier ministre de consensus, ok, entre les secteurs politiques, capable de la société civile, le secteur privé des affaires, etc. Donc, je pense que c'est une proposition raisonnable parce que si nous prenons par exemple le choix d'un président à la Cour de cassation, ça fait partie, nous capable de dire, de la précédence historique, parce que nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Si nous prenons après 86, nous capable de dire, à chaque fois que le pays se trouve dans cette situation, c'est toujours à travers la Cour de cassation que nous allons pour trouver un président. Nous capable de dire, ça a été plus récent, avec Pascal Tatouyo, c'est là que nous sommes arrivés, organiser la première élection démocratique de ce pays. Et enfin, si nous pouvons le mettre à Boniface Alexandre en 2004, après le départ du président Jean-Bertrand Aristide, c'est lui qui est arrivé à organiser l'élection qui te permet que le pays a repris un rail, capable de dire, démocratique et institutionnel.
Donc, je pense que je dis à la, même si la Cour de cassation a une faiblesse, li, mais nous croyons que le progressiste est clair, je dis parmi les juges régulièrement nommés à la Cour de cassation. Donc, c'est pour vous dire, oui, il y a une proposition. Donc, il y a essayé de créer confusion parce que Ariel comprend très bien. Objectif, lui, c'est garder le pouvoir le plus longtemps possible, OK, sans faire rien. Et je dis à là, nous dit, le peuple ne peut plus attendre. Le pays ne peut plus attendre. Nous sommes capables de dire, une équipe monde qui kembe un pouvoir depuis plus de 31 mois. Et objectif, c'est faire de l'argent. Donc, c'est pas satisfaire, nous sommes capables de dire, les intérêts du peuple, les intérêts des nationaux. Au contraire, c'est le monde qui a servi aveuglement l'international, OK? Pour que, m'pas connaît pourquoi, mais ce sont des mouns qui versaient régulièrement cap service international. Bon, c'est deux mouns qui n'ont pas ça, ma bon exemple, m'pas cité de nom, m'pas mené une enquête comme journaliste, qui pas même en Haïti même, cap touché comme l'État, et puis moun sa ou c'est là-bas, y aurait été, et puis y a touché comme l'État. À qui tu as touché comme ça? À qui tu as touché comme ça, et bateau? Pardon? À qui tu as touché comme ça, moun qui là-bas, ça ou? À qui tu as touché comme là? Donc c'est pour vous, je t'aime comme journaliste mais d'enquête et pour ouais. Donc comment que l'État ça a fonctionné? Il y a des monde qui a vu privilège l'État. OK? Oui, jusque là pas de problème. Il y a frères de l'État qui vivent à l'étranger, ces frères de l'État et bien pendant ce temps, il pas même en Haïti même. Il pas même en Haïti. Donc c'est comme ça que le pouvoir ça a fonctionné, c'est son pouvoir qui sorti pour le finir avec toutes les ressources capable de dire que le pays a gagné. Soit Ariel Henry là mes amis, budget l'État là, les multiplier par trois. Oui, regardez budget Ariel Henry là, et par rapport avec budget Ariel Henry te joine. Pas gain président. Budget la présidence augmenté, pas gagné. Député, pas gain sénateur. OK? Budget et palais législatif augmenté. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que c'est une équipe qui finit plus haut, finit avec toute la richesse pays. OK? Il n'a pas fait rien. Net n'a pas construit route, il n'a pas construit l'hôpital, il n'a pas fait rien. Pendant ce temps, net ça, il a augmenté, il a multiplié par trois les recettes de l'État. Et pendant ce temps, pendant yo là, oui, c'est le moment côté DGI rentre plus scope, côté la douane rentre plus scope. Mais ou pas ouais qui ça, monsieur, ça a réalisé pendant 31 mois. Pendant 31 mois. Donc, pour nous dire que, mais dans quelle situation que Haïti a fonctionné? Bato, vous sentez que c'est un bagage normal pour la douane rentre plus scope pendant ensemble activité totalement diminuée? Est-ce que pas gagné les codes qui sont dans des couloirs selon lecture que vous faites des dossiers ça et qui pas normal qui rentre dans le système là qui permet ensemble des rapports qui a soumettre sur ensemble des chiffres que nous a présenté dans temps normal les gars activité et chiffres nous pas contre demander chiffres ça. Mon cher femme dit ça très bien. C'est parce que au niveau de la douane et toujours manquer transparence. Parce que chiffre qu'on entendait avant yo, c'est parce que gon on série, on capable dire de moun et les gain députés, les gain sénateurs, et mais pour la plupart c'est de moun qui gain franchise, qui a fonctionné, et bien ça vient faire que gain une diminution de rentrée au niveau de la douane. OK. Mais pour le moment ou capable constater pas gagner de député, pas gagner sénateur, pas gagner de monde, ça vient faire que et recette la douane lui augmenter parce que pas gagner moins monde qui gagne franchise. OK, et c'est seulement me capable dire les diplomates et certaines églises qui gagne qui bénéficient de franchise, mais en gros pas gagner on série de monde qui a utilisé la douane pour régler affaires personnelles. Donc et c'est ça qui fait que je suis capable de dire peut-être qui fait que recette augmenté au niveau de la douane. Mais ça me capable de dire également tout. Donc gain de port et côté que quand gain contrebande
et qui passe là-dedans, eh bien, pour ça, on ferme à cause de questions d'insécurité. C'est peut-être au niveau seulement Port-au-Prince. Ça vient faire que toutes les secteurs concentrés au niveau de la douane de Port-au-Prince. Et c'est ça encore qui est capable d'expliquer une augmentation de recettes au niveau de la douane. Bon, regardez ça avec Kobato Junior. Puisque tu as l'air ou essayer de garder à Motepkis comment que la communauté internationale, le gouvernement américain ou bien l'administration Biden Harris, non, a supporté Ariel Henry et c'est eux-mêmes qui t'a même qu'imbé Ariel Henry. Selon ça, on se peut montrer là. Non, non, qui niveau, mais qui action posée qui montre que c'est eux-mêmes qui a supporté Ariel Henry et qui qu'imbé Ariel Henry dans la dimension qu'on va parler là. La preuve est bien grande. Parce que dans quel pays vous attendez yon équipe moun côté que mission yo te gagné dans tête l'état fini après 7 février 2024 c'est que moun sa yo pa gen ken responsabilité pa gen ken engagement ou capable prendre de l'état et bien ou sot tande gon réunion qui organisé Washington ensemble avec ministre justice directeur général police nationale et bien dans réunion ça yo prend engagement pour mettre yon bureau, ça veut dire Homeland Security en Haïti. De quel droit? De quel droit? Par un parlement. D'ailleurs, c'est déjà, on capable de dire, yon manque de question de ingérence. C'est-à-dire, de violation de notre souveraineté. OK? Donc, Jean de Bagay ça, nous connaissons ça très bien. C'est un parlement qui est capable de ratifier yo, et encore moins un gouvernement de facto qui n'a pas gagné ni qualité ni titre. Côté que, mission depuis après 7 février 2024 là, il n'y a pas de titre encore en quelle qualité. Donc, c'est pour vous dire ça, c'est déjà un bagage qui est très grave. Lorsque les États-Unis prennent engagement, signent un accord pour mettre un bureau de Homeland Security en Haïti. Donc, ça, c'est une preuve. C'est une preuve que les États-Unis, lui-même, n'ont pas respecté rien, n'ont pas respecté la souveraineté aucun pays, n'ont pas respecté le droit à l'autodétermination aucun peuple. Donc, ils pensent que, ils ont des âmes, ils sont les maîtres du monde, ils peuvent tout faire, donc, et ôter la vie et faire ce qu'ils veulent. Donc, ça, nous-mêmes, nous déplorons, nous disons que ce n'est pas possible. OK, même si t'as gain ou gain sam pour faire quoi que ce soit, nous pensons que gain de limite ou pas qu'arriver. Gain de limite ou pas qu'arriver. Parce que États-Unis toujours a parlé de pays et qu'a fait respecter la loi, de pays qu'a fait respecter la démocratie. Okay. Donc même pensons que ou pas qu'arriver dans limite de l'indécence. Pour nous-mêmes ça qui arrive là avec monsieur dame en Haïti yo, c'est la limite de l'indécence. Et ça, nous-mêmes, comme citoyens, nous pas qu'à accepter pour que États-Unis a mes pieds sous couille un pays comme ça. Parce que nous-mêmes, Haïtiens, nous sommes peuple qui fait l'histoire, nous sommes peuple qui gagne dignité. Est-ce que ça t'a dit, Bato Junior, ou tout gon une réaction contraire par après déclaration, chargé d'affaires américain qui c'est Eric Stormayer, qui te fait connaître que par des questions de transition, pour notre transition? Bon, je pense que le chargé d'affaires américain est tombé sous tête. Comment ça? Pourquoi ça? Non, ça l'a dit, Alcon, ça l'a dit. Allez-y. C'est pas un monde qui m'a dit, c'est pas un monde. Pourquoi ça? Non. Moi, je suis tombé sous tête. Je suis tombé sous tête parce que quelqu'un de bas, je ne sais pas qu'on est. On avance. Là, je ne sais pas le définition. Qui ça en transition? En transition, c'est pas pour le monde. OK? En transition, c'est une situation qui permet que vous sortiez d'un point A pour parvenir à un point B. Et dans une transition, vous êtes capable de changer de direction avec telle ou telle équipe. OK? Vous êtes capable de changer d'équipe. Pourvu que vous êtes capable de dire équipe qui était là pas permettre que vous sortiez de point A pour venir à un point B. Eh bien, normalement, on est capable de changer l'équipe qui vous permet de atteindre l'objectif fixé. C'est ça une transition. Donc, une transition, on n'est pas capable de prendre le sens côté que c'est échanger mon nom. OK? C'est un gouvernement provisoire. OK?
qui te gagne une responsabilité dans un contexte bien déterminé, dans un contexte de transition. Donc, puisque ça nous te gagne comme responsabilité au niveau de la transition, hein, ce gouvernement provisoire pas capable d'accomplir, et maintenant, nous dit, il faut venir avec une autre gouvernance qui pourra le permettre que nous atteignons l'objectif là pour nous arriver vers le point B. C'est ça. Et d'ailleurs, nous avons des exemples historiques. Si nous prenons, nous sommes capables de dire, après 86, lorsque Jean-Claude Duvalier allait, c'est un CNG. CNG, c'est lui qui est venu avec la Constitution 87. Là. OK? OK. Eh bien, le CNG a fin faire voter Constitution 87 là, CNG a changé, côté que les joueurs groupes des candidats, eh bien, ils peuvent changer pour être capable de venir avec l'autre monde dans CNG pour reformuler CNG. Et même CNG, ça, on va le dire, et ils peuvent remplacer, côté élection 88, on va le faire, c'est Henri Nanfi et c'est Maniga qui va le pouvoir. Eh bien, même CNG, ça vini, Libaye Maniga, un coup d'État, et puis il reprend pouvoir encore. Et même si CNG ça, il prend un coup d'État dans mes Prosper Avril, en 89, et Prosper Avril, il est arrivé, et il est capable de changer à partir d'une décision, côté que c'est la Cour de cassation, que il a changé, et Prosper Avril, par Pascal et Tatouyo. Donc, moi, je vois tout exemple, parce que tout exemple, ça nous était toujours dans une transition. Et ça fait que soit aller dans le nouveliste, il y a Zami Nouveliste qui écrit une transition qui n'en finit pas. OK? Parce que transition, ce n'est pas période côté Ariel Ya. C'est une transition qui débute depuis, on est capable de dire 87, les nous finis voter Constitution 87. Là. Donc, jusqu'à présent, nous sommes dans une période de transition et nous-mêmes, nous optons pour que nous fassions la dernière transition avec un gouvernement responsable. Mais un gouvernement responsable capable selon même Bato Ginan, lorsque Ariel Henry montre pas A plus B, que lui-même c'est élection pour gagner, pour que gagne peuple haïtien choisi moun que le veut dans l'élection qui pour remplacer. Là encore Ariel Henry montre que nous même qu'a fait des batailles dans l'Arian, qu'a fait de congrès, qu'a fait un ensemble de mouvements, ça pas abouti en rien, tout autant que c'est pas chimer l'élection que nous prend. Bon dieu frère. À la même. Bon dieu ça très bien. À la même. Et je pense que, soit pour comme exemple, hein, et c'est ça où il est fait terre. C'est ça où il est fait terre, que Ariel toujours dit. Ok. Parce que l'éclair que l'élection, ce n'est pas affaire d'un homme, c'est l'affaire de toute une société. Ok? Donc, tout gouvernement qui vive dans le fait, il a toujours pris l'élection comme prétexte. Ok, je trouve une élection comme prétexte. Donc, je pense après 31 mois que M. fait notre pays, c'en est assez. Ok. C'en est assez. Donc, comme M. pas gagné l'autre vocabulaire que l'État a utilisé, on a le prétexte électoral là. Mais prétexte électoral là nous dit, ça ne tient pas parce que la question élection, ce n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire de toute une société. C'est l'affaire des partis politiques, c'est l'affaire de la société civile, c'est l'affaire du peuple haïtien. Donc, question, monsieur a pris comme prétexte ça, donc c'est un faux prétexte, ça ne concerne pas seulement Ariel, ça concerne tout le pays. Et le pays dit clairement, il n'y a pas parlé d'élection avec Ariel Henry, tout au moins, son gouvernement illégal, illégitime, de facto à la tête du pays. Et c'est ça lié. C'est ça, société a dit. Si nous prenons différentes notes qui sortent, soit avec la conférence des évêques de l'Église catholique, soit nous prenons avec le secteur protestant, que nous prenons avec une partie du secteur vaudou, que nous prenons avec ensemble de différents secteurs du pays, clair, il n'y aura pas d'élection avec Ariel Henry. Et c'est clair, c'est fini. Donc, question électorale, on va parler là, c'est un monde qui a prévégé clair. Ok, son monde qui a prévégé clair. Parce que les fois, elle a été organisée, elle est passée déjà. Ok, je dis à la, seule responsabilité à elle gagne, c'est un point clé primature là, lui mettre l'embarcade. Et puis nous-mêmes, peuple haïtien,
n'apprend pour nous capables de faire Haïti sortir dans la crise que lié jeune jodi là que Ariel enfonce davantage l'assassinat du ce président Jovenel Moïse. Mais nous remarquons que dernier temps, ça autour, même pour voir Ellen Ryan à travers de. Bon, il y a un acteur même Javo qui critiquait le comportement de la police et qui a tout estimé que je dis à la café de travail Ellen Ryan dans Maspine et fait ça de répression sur des manifestants, dans tout à Jabissap, dans PTG journaliste. Est-ce que ça, ce n'est pas de moyens encore qui montrent que c'est vrai Ellen Ryan, selon l'acteur, table consolider les pouvoirs, mais en même temps, tout, qui crée on la péresse Dakar, nous comme des leaders, de protestataires qui a fait mouvement pour capoter pouvoir. Perez, nous quoi nous vivons ça déjà. Nous vivons ça déjà. Moun ça ou pas qu'un peu. OK? C'est deux moun déjà qui croient que depuis les ont sous terre ça, c'est deux moun qui étaient capables à n'importe quel moment victime de toute bagaille qui gagne. Mm-hmm. M'pas quoi c'est jodi là dans l'âge que nous y a nous t'es capable une petit apprenti dictateur même de Ariel Henry. OK, nous-mêmes nous sommes des convaincus, nous pas dans lutte armée, mais nous connaissons que la mobilisation populaire c'est remède à tout dictateur. OK, c'est remède à tout dictateur, à tout apprenti dictateur. Donc, je pense que tu as un pic au dictateur qui passe dans le pays déjà Ariel ouais qui ça la mobilisation populaire fait pour eux-mêmes. Et je pas que Ariel capable de penser que avec répression. D'ailleurs, on dit ça clair. C'est ça qui t'est coulé pour nous finir dans la période démocratique. Ça. Okay. C'est grand pile sang qui t'est coulé. Donc, c'est un acquis. La démocratie est un acquis. Mm-hmm. Donc, cela veut dire que nous sommes montés 77 fois. 7 fois, nous ne pas tourner dans la dictature encore. Je ne pas croire que c'est Ariel Henry qui a un support américain qui a fait nous tourner dans la dictature. Okay. Zombie goûter sel li pa mande rete. Ça veut dire qui ça? Ça veut okay. dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous sommes des convaincus que question dictature on parle là dedans encore. Okay. Nous gétant goûter goût démocratie a, nous dit que même si nous pou ko rive, ça relé nan niveau démocratie que nous te souhaité a. Mais cependant nous dit nous opter nous responsabilité déjà. C'est un acquis, nous opter pour la démocratie, liberté de la parole, liberté d'expression, liberté de la presse. Ça, yo, c'est acquis, yo. OK, yo pas qu'à fermer bouche, non. OK, régime démocratique qui dit qu'on que le séparation des trois pouvoirs, il faut un exécutif bicéphale, il faut un parlement bicaméral, il faut que la justice soit indépendante. Ça, yo, c'est acquis, yo. C'est bah, gros boumé qui fait Bamba de Sabato Junior. Non, oui. Non, série de mouvements qui viennent dans l'arrière là. Côté nous même nous positionner nous. Nous positionnons dans mobilisation, dans révolution, contre positionner nous. Nous même nous clair, nous dit c'est un révolte populaire. Un révolte populaire pour nous débarrasser Bélia de Ariel Henry. C'est clair. Et la mobilisation continue, la mobilisation prendra différentes formes, okay. Parce que nous disons face avec ces terroristes, donc il faut que nous changions de stratégie, il faut que nous nous organisions davantage pour débarrasser ce pays de ces apprentis dictateurs. Ok? Même si vous êtes au niveau Port-au-Prince, manifestation Fonticampé, c'est parce que nous sommes en pourparler avec les différentes organisations, avec les différents acteurs, les différents secteurs, pour que nous capables diversifier, nous capables dire les mouvements, les activités au niveau l'opposition pour l'existence de ce pays. Gagan pile acteur, l'autre monde qui a regardé nous dans la société, hein, même je gagne plus monde dans la diaspora qui a regardé nous là, qui dit que je sens qu'ils vont casser dans le mouvement. Est-ce que ce n'est pas question d'arrestation de militaires qui a fait et puis de mandat qui a gagné des militaires qui fait nous entrer tête nous comme ça? Je ne sais pas. N'a pas dit clairement. Pas gagné qui a fait nous faire back. Dans tout mouvement, il y a des hauts, il y a des bas. Okay. Donc,
normalement, là on peut sauf fait presque deux semaines camper à mobiliser. Donc on peut faut peuple là li capable arriver à provisionner faut peuple là conti soupe de façon que pour le relancer bataille là. Mais là encore qui monde qui pas d'accord avoir bateau junior parce que yo songe par contre c'était dans pays là mais yo songe deuxième vague pays là qui était fait 3 mois pas dépose là dans nous dans pays là ça. Non, nous pas dans pays là, non ferme. Non non, est-ce que nous parler les SDP. Oh, cette opposition. OK. Cette opposition auquel nous appartenons aujourd'hui, c'est une opposition responsable, nous pas dans pays là, non? OK, non. OK, nous pas dans pays là. Comment comprendre nous capable prendre le peuple pour faire 3 mois pour fermer OK, on côté pour pas jamais fonctionner. Non, nous pas dans pays là. Nous dit nous dans une opposition côté que population a fonctionné mais cependant moun qui prend cob l'état yo à travers institution l'état yo nous dit c'est empêcher moun ça rejoindre recette il a financé bandi empêcher moun ça rejoindre l'argent il a financé et de moun cap écraser manifestation empêcher rejoindre l'argent il a fait capable prend plaisir à l'étranger non nous dit c'est ça yo. Mais population elle-même ne peut pas empêcher population à l'école non nous même nous sommes une opposition responsable nous pas pas empêcher population en vaquer avec activité population pendant mouvement va fait population folle vaquer normalement activité OK pendant soutenir manifestation faut la créer activité pour vivre parce que son population qui ta vivre au jour le jour nous tenons compte de ça nous ne sommes pas des terroristes donc nous sommes des gens responsables c'est ça qui fait que nous dit moun qui sous pouvoir ce sont des terroristes d'ailleurs c'était des terroristes dans l'ancienne opposition c'est eux qui ont pouvoir je vous dis là nous dit nous-mêmes nous fait pour nous changer de stratégie pour nous combattre terroristes ça yo parce que ce sont des terroristes. OK, nous-mêmes nous sommes responsables, nous sommes une opposition responsable. Donc nous pas qu'à gagner même pratique avec des terroristes. OK. On avance les yeux. Très bien. Et situation qui vient dans le pays a insécurité dans tout niveau, la police présente des situations insuffisantes d'effectifs ou de moyens pour affronter bandits pendant la manifestation, la mobilisation yo en pile moyens mobilisés soit pour bail gaz lacrymogène, bail balle et faire arrestation politique yo ou même comme acteur qui sur terrain ça pas inquiété ou et ça veut dire pour des comportements de la police à afficher dans le dernier moment yo. Bon, nous disons c'est bien regrettable pour une police que nous t'ai goumé pour que nous t'ai mettre en place parce que lorsque moi-même me songe 94 ans de mon jeune âge, tu t'as prendre la rue pour nous écraser la mer avec quoi police là, nous t'ai contribué dans mettre police ça camper. Mais cependant police nous gagne là c'est pas lui-même nous t'ai rêvé. Je dis là nous avons des gens qui prend police là yo servile yo mettel au service de la police nous te mandé une police qui au service du peuple une police communautaire qui poil au service des citoyens mais nous pas mandé une police au service de la politique nous moun sa yo c'est bien regrettable c'est ça que nous souhaitons que des moun sérieux qui en dans police ça yo prend responsabilité yo pour que eux-mêmes yo pas complice de vagabondage vagabond fait en dans institution ça parce que institution ça jusqu'à présent c'est seul corps armé institutionnellement que nous gagnons donc faut nous protéger mais cependant quant aux vagabonds qui eux-mêmes mettaient au service de la politique à l'intérieur de cette institution. Donc, nous avons besoin de moyens, tôt ou tard, pour nous propre institution ça, pour mettre vagabond ça hors état de nuire. Et nous connaissons clairement, frère, de Ariel Henry à la tête et Mathieu son compté. Ou à son chèque de ça, Ariel Henry, chaque jour, il passe dans la tête de Mathieu là, l'a enfoncé tête li
nous capable de dire davantage dans l'abîme. Et ces jours sont comptés à la tête de la primature. L'esprit total ou l'espoir total du gouvernement en place, qui est Ariel Henry dans la tête, c'est faire venir Yon et force multinationale aller dans le pays pour venir résoudre le problème. Pendant la journée 21 et 22, il y a un secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui était au Brésil dans le cadre de la rencontre qui a été faite pour essayer d'entendre que je vais mobiliser moyens à travers le pays G20 et il y a le Canada qui offre. Et 85 millions pour permettre que force ça venir. Ou senti ensemble des démarches qui va permettre que force multinationale à déployer dans le pays d'Haïti, qui peut porter un résultat en appui avec PNH en pile nous critiquer parce que nous dit que des poliers avec des bandits qui avec uniforme. Et femme, c'est ça qui fait que Mendou et il faut nettoyer le PNH. Même si PNH là, il y a un pile vagabond là-dedans. Mais cependant, nous croyons qu'il y a un pile monde qui en dans PNH là tout, yo même qui a souffri de vagabondage vagabond yo. Qui yo même yo pas d'accord avec ça qu'a fait yo là. OK? Donc cela veut dire que moi-même en tant que patriote, on pas quoi c'est une force étrangère qui va résoudre problème pays d'Haïti. Parce que si nous prenons environ 109 années de l'occupation américaine 1915 pour nous arriver en 2024 là, on regarde pour nous qui sa force d'occupation fait pour Haïti. Au contraire, force d'occupation ne fait qu'en force Haïti, nous capable dire dans l'abîme. Nous capable dire récemment si nous prenons 1994 avec l'arrivée des Marines. C'est Marines qui était armé la mer rouge à Cité Soleil, oui, qui fait que n'a payé conséquences de gangs éparpillés un peu partout dans le pays. Oui. L'armée rouge a été armée par les Marines américains en 1994 qui pral arriver journée jodi à la payer conséquences qui fait que ou pas joindre une gang de côté et gang dominant bois et balé ou dans ces matières etc. C'est ça qui était pour nous. On pas besoin d'un ministre, yo vini dans pays yo ba nous choléra. Donc force armée, nous connaît que l'ordre Kenya, nous connaît que moun sa yo gen gros risque de maladie que yo kapote dans pays. Donc nous-mêmes, c'est pas ça nous besoin. Nous besoin pour nous arriver nettoyer police nationale là. Pas la police nationale là équipement renforcer effectif là. D'ailleurs, si nous prenons au niveau de 11e département, soit aux États-Unis, soit en France, soit au Canada, nous avons beaucoup d'haïtiens qui retraités soit qui tenant l'armée ou bien la police aux États-Unis, soit qui dans l'armée ou bien qui tenant police au Canada, soit qui tenant l'armée ou bien qui tenant police en France. Si nous arrivons mandé pour que haïtien sa yo vinn ba nou service, n'a jwenn plus que 1000 haïtiens qui capable rentrer vinn non seulement vinn aider police nationale là mais vinn aider nous combattre le banditisme. Nous pas besoin c'est une force multinationale genre États-Unis li même Canada la France mandé là. On pensait que initiative ça c'est de initiative qui visait renforcer les intérêts de l'impérialisme américain, les intérêts de l'Occident, c'est pas intérêt Haïti. Donc ça qui cache des forces multinationales, on va dire, yo prend prétexte insécurité que eux-mêmes yo créé parce que question insécurité ça on dit c'est la communauté nationale parce que nous plus clair d'après rapport Nations Unies sorti, yo est tout allié qui transite qui passe par République Dominicaine, c'est aux États-Unis aussi. Donc cela veut dire yo non seulement impliqué non phénomène insécurité que nous-mêmes n'avons vu aujourd'hui là et on prend ça comme prétexte pour venir avec une force internationale pour venir résoudre problème paio au lieu de résoudre les problèmes de ce pays au lieu pour résoudre véritable problème parce que c'est clair Kenya a dit ça Kenya yo vous êtes pas venu pour combattre les gangs vous êtes dit à venir pour venir et sécuriser les institutions
Dis-moi qui institution qui pas sécurisé. Ariel, c'est combien machines et blindées et qui n'a sécurité lui? Autant de bandits attaqués par les machines. Y compris les grands axes. Là, dis-moi grand axe. Ok. Et en parlant de grand axe qui permet que le grand nord débloqué. Oui, ça veut dire des idées. Oui, ça veut dire des idées que monsieur Kenyan te dit que même les venir tout pour apporter appui n'en permettre de libérer grand axe tout à côté de ça, à côté des édifices. Bon, quand on dit grand axe, m'en ça très bien. C'est encore un discours voilé. Okay. C'est des non-dits. OK. Parce que nous connaissons grand axio qui occupé par des bandits, d'après deux rapports que nous gagnons, rapports officieux, c'est d'un côté qui a des réserves l'or, qui gagne des mines de pétrole, qui a des puits de pétrole. OK? Il faut un genre de grand axe parce que vous connaissez une fois que vous fini, eh bien, c'est eux qui peuvent surveiller l'espace ça pour que nous-mêmes haïtiens nous pas au courant de comment ils ont exploité richesse sous-sol nous yo. OK. Je prends question force internationale là comme prétexte. Mais véritable raison, li caché tout le monde connaît que c'est parce que les yo y a une série de zones, y a exploité une série de richesses sous dans sous-sol nous. Donc yo pas voulu que le peuple là au courant véritablement de activité à mener. Et yo pas quoi dans police nationale là parce que pas qu'à venir faire ces police nationale là qui pour venir contrôler les zones ça yo yo même yo caché derrière une force internationale. C'est ça qui est la question force internationale là. C'est pas sur la sécurité et c'est ça même qui crée question banditisme dans tout parce que chaque côté autant de bandits yo fait moun yo couri. Si nous prenons Kafoufeuille, yo di mine cobalt Kafoufeuille là qui commençait depuis Saint-Jude qui arrive jusqu'à Boutillier, li évalue à près de 87 milliards de dollars américains. Okay. Est-ce que j'aimerais le gouvernement prendre des mesures pour faire mon Kafoufeuille retourner et al vivre côté côté cour derrière yo, côté bandit cour derrière yo? Est-ce que le gouvernement j'aimerais des mesures de moun k'ap vivre dans zone tritier côté yo ti gen puits pétrole pour que moun sa ta retourner côté al vivre là? C'est une façon classique pour chaque population dans des zones. Et puis, vous même pour exploiter zone ça, pour exploiter richesse que nous gagnons en batte la caille nous. Et puis, qu'on y a là, vous venez à prétexte force internationale pour assurer la question de sécurité, la question de combattre la question gang. C'est pas ça qui est vrai message là, qui caché derrière, vous capable de dire, les actes de la communauté nationale qui gagnent en tête des États-Unis. Une question à plusieurs tâches et à plusieurs volets. On essaie donc de regarder les mobilisations et insécurité qui gagnent là dans le pays. Et moi, Jean-Charles, leader petit de Salinan, a essayé donc de franchir une autre étape dans la mobilisation pour garder ambassadeur li annoncé 25 février qui a vu là c'est pral devant ambassade américaine ou même qui c'est un acteur qui sous terrain pour mon ouais une initiative comme ça l'autre branche qui a pris ou bien l'autre décision qui a pris dans mobilisation yo. Et je dis en tout si n'a gardé ensemble des leaders qui dit en communication, si la intervention Guy Philippe à Jean-Charles, qui dit communiquer pour essayer de regarder qui ont cette alternative pour résoudre le problème là, et qui compréhension sur l'appellation qui fait entre leader avec leader pour que chute ensemble, nous garder même face pour aller dans la même direction. Moi, pour nous ça clair, nous-mêmes, au niveau de la coalition nationale des forces progressistes, qui c'est initiateur la table de mobilisation progressiste, nous déjà très avancés dans la question, mettez tous les secteurs progressistes ensemble. Et nous, le lancement table de mobilisation, nous invitons Maurice Jean-Charles, nous croyons que Maurice Jean-Charles est voyé, un délégué parti là, qui est responsable du département de l'Ouest. Dans le cadre lancement table de mobilisation et des progressistes. Donc, dans la question rassemblée, nous sommes capables de dire tout ça qui semble, nous n'avons pas de problème sur ça. Mais cependant, nous-mêmes, nous pas dans confusion. L'éclair, je ne veux dire là,
qui est-ce qui occupe primature de manière illégale, c'est Ariel Henry. Je dis à la, on croit que cible là, c'est Ariel Henry. Cible là, c'est primature. Même si que Ariel Henry, c'est la communauté internationale, même si Ariel Henry, c'est les États-Unis qui est belle, mais cependant, Ariel Henry, c'est lui qui occupait primature là. Donc, je pense que, quel que soit le mouvement nous gagnons pour entreprendre, il faut viser la primature. Parce que c'est là, Ariel Henry accaparé le pouvoir peuple là. Et je pense que c'est sous ça pour nous mettre focus. Je ne dis pas que l'ambassade américaine n'est pas responsable. Je ne dis pas que l'ambassade de France n'est pas responsable. Je ne dis pas que l'ambassade Canada n'est pas responsable. Mais, les regardez, situation côté ambassade américaine, moi-même, je pense que nous pas capables, comment tu as dit ça, river et voir le peuple à la boucherie également. Okay. Parce que nous connaissons, c'est une zone à haut risque sur la question, nous capables de dire, de insécurité qui est occupée par la bande à vite l'homme. Donc, à n'importe quel moment, ou capable de faire le peuple là et prendre la rue, vivre pour l'ambassade américaine. Donc, il est capable de gagner des gens qui sont victimes, nous ne pouvons pas acheter ça. Mais cependant, lorsque c'est responsable, lorsque c'est leader, vous faites aussi un monde responsable. Donc, nous ne pouvons pas faire le peuple prendre de risques comme ça, parce que nous pas besoin d'aller devant l'ambassade américaine pour que nous fassions un message passé. OK? Et surtout, même l'ambassade américaine, je ne vous dis pas là, lui oblige de déplacer consulat, bien non l'autre bureau côté monde capable et plus accessible jeune ni. Donc on pas pour qui ça m'obligé à aller devant l'ambassade américaine. Mais comme c'est comme ça. Justice, si n'a regardé dossier justice avec juge Aldiniel Dimanche qui nous connaît qui était un dossier important qu'il t'a géré dans cadre enquête sur détournement matériel pendant dans CNE, eh bien CSPJ pendant journée a délibéré ou bien prend décision pour révoquer mandat juge Aldiniel Dimanche pendant que l'État menait enquête qui même mandé poser scellé sous des bureaux sous des espaces à qui CNE gagne. Selon vous, c'est une bonne décision que CSPJ prend et rapidement pendant cette enquête sur les documents matériels, il a fait et puis il a exclu totalement retiré mandat déjà. Bon, tout ça très bien. Le n'a pas les deux CSPJ actuellement tel qu'il est composé. Nous connaissons une institution qui s'ouvre coupe réglée de Ariel Henry. C'est une institution qui s'occupe régler de certains oligarques. Il est clair que c'est CSPJ. Excusez-moi. Nous ne pouvons pas finir tout bateau. Les décisions de CSPJ pour que yo mette fin à mandat. Juge Aldiniel Dimanche, c'est une preuve que M. Sayo n'a pas gagné volonté pour que il y ait de monde au niveau du pouvoir judiciaire là qui est indépendant. Il y a de monde au niveau du pouvoir judiciaire là qui a fait du travail sérieux. Ça a déjà son démarche qui montre que le travail ordonnance qui rend en faveur Ariel Henry par juge Voltaire là, montre clairement que c'est un bagage qui n'a pas aucun fondement scientifique, qui n'a pas rien à voir avec la justice. Que c'est un, vous êtes capable de dire, c'est une sorte de scénario théâtral. Que à n'importe quel moment, n'importe gouvernement sérieux, capable de mettre n'importe juge sérieux, pour continuer à suivre sur question dossier ça. Son fablier. OK? Parce que si juge Aldiniel Dimanche qui a fait un travail et que société a reconnaître que le travail de juge Aldiniel Dimanche est un travail sérieux, de monde qui apparaît l'État dans le qui apparaît l'État ça, vous mettez la caille, il y a réglé affaire privée, vous connaissez que et gain ou ancien député
président de l'Assemblée nationale qui est en prison par juge Altunel dimanche. Donc, c'est que travail juge Altunel dimanche la nuit, parce que vous pas connaît que juge a gagné capacité pour te arriver là. Donc, je ne j'ai dit à la Sanuyo, eh bien, meilleur bagaille pour faire, c'est mettre fin dans le mandat juge à Tunel dimanche pour être capable de garder le statu quo, pour être capable de conserver le statu quo. Mais, n'a pas dit, monsieur Sayo, la défaite du droit est provisoire. OK, la défaite du droit est provisoire. Donc, société a gardé, pas grand bagaille pour faire, ou plus devant pas pour les conséquences là. D'accord. Donc, c'est capable, monsieur. Merci un peu le bateau junior. Bon, c'est un plaisir de vous parler ensemble avec vous. Quand j'en ai toujours dit, porte nous l'ouvre pour vous, micro nous l'ouvre pour vous, caméra nous l'ouvre pour vous pour nous continuer à parler. Et je crois que rendez-vous pour nous parler à l'époque moment qu'elle m'a dit, nous allons parler encore. Merci un peu le bateau junior, c'est un plaisir. Merci, c'est un plaisir, Peterson, désir. Donc, encore, nous dit, moi-même toujours été disponible dans micro nous pour nous capables de faire la lumière sur certains dossiers qui ont traversé le pays. Et me dit, toute population a été tête frette, a été mobilisée, parce que bataille pour nous bailler Haïti ou l'autre gouvernance, pas camper. Nous sommes en pour parler avec d'autres secteurs pour arriver à mettre de l'huile dans le réchaud de la mobilisation à l'intérieur du pays. Merci, c'est ton plaisir. Merci, Appel Bateau Junior. Merci, Désir Venest, à croiser la mi-temps junior dans notre émission, mon frère. Merci Blaise Peterson, merci tout le monde qui t'a regardé et t'a dit sur mes sacs nouvelles, Blaise Info par une nouvelle. Nous t'es content à court pour t'écouter émission ça, la caillou. Rete branché, rete abonné avec ensemble plateforme ça. Merci tout le monde, allez la croiser dans la mi-temps journée pour notre émission. Bye bye tout le monde, allez, que me fait malade. Ok.